La princesse Aya bint Aluminium Hussein, épouse de l'émir de Dubaï, a fui son mari le cheikh Mohamed Aluminium Maktoum et s'est réfugiée au Royaume-Uni. La sixième épouse du cheikh Mohamed Aluminium Maktoum ne se sentait plus en sécurité à Dubaï et s'est réfugiée en Allemagne avant de partir pour le Royaume-Uni, menaçant de créer une crise diplomatique. L'épouse de l'émir de Dubaï se cache au Royaume-Uni une paire de chaussures à 17 millions de dollars. Elle n'avait que 3 ans lorsque sa mère a été tuée dans un accident d'hélicoptère dans le sud de la Jordanie. Elle a fait ses études dans 2 écoles privées, la Badminton School à Bristol et la Bryanston School à Dorset, avant d'étudier la politique, la philosophie et l'économie, PPE, à Oxford University. Le Playboy qui a soutiré 242 millions de dollars à une banque. 3 hommes condamnés à nettoyer le zoo de Dubaï. Elle s'est mise à l'équitation lorsqu'elle était jeune et s'est passionnée pour ce sport, et à l'âge de 20 ans, elle a commencé une carrière professionnelle dans les sports équestres. Elle a représenté la Jordanie aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, où elle a été le porte-drapeau de son pays. Le Qatar promet le mondial le plus sûr de l'histoire. Qatar Airways, partenaire de la Fédération internationale du football association, elle a déjà déclaré lors d'interviews qu'elle se passionne pour la fauconnerie, le tir et l'artillerie lourde, et elle prétend être la seule femme autorisée à conduire des poids lourds en Jordanie. Les Saoudiennes autorisées à conduire Arabie Saoudite, la femme à la mini-jupe libérée.